بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الأبناء، السؤال الأول: لماذا خلقنا الله جل جلاله؟ الجواب: خلقنا لعبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Mes chers enfants, Al-Kiram, pourquoi Allah nous a créés? La réponse est: il nous a créés pour l'adorer. Comme Allah le dit dans le sens du verset, je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. As-su'al thani, hal yajuzu an na'buda ghayra Allah? Al-jawab: la. قال الله جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا. La deuxième question, mes chers enfants, est-il permis d'adorer autre qu'Allah? La réponse est non. Allah a dit dans le sens du verset: alors n'invoquez personne avec Allah. As-su'al thalith, kam ilah lana? Al-jawab: wahid. Qala Allah: qul huwa Allahu ahad. La troisième question, mes chers enfants: combien nous avons de Dieu? La réponse est un seul. Dans le sens du verset, dit: il est Allah le seul. Sual Rabi'a, هل المسيح ابن الله؟ الجواب: لا، لأن ربنا لم يلد ولم يولد. La quatrième question, mes chers enfants: est-ce que Jésus, Isa, est le fils d'Allah? La réponse est non. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. السؤال الخامس: لماذا لا نعبد غير الله؟ الجواب: لأنه لا إله غيره. La cinquième question, mes chers enfants: pourquoi n'adorons-nous pas autre qu'Allah? La réponse est: car il n'y a pas d'autre Dieu si ce n'est Allah subhanahu. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.